Bonjour et bienvenue à Motus, votre jeu de mots quotidien sur France 2. Aujourd'hui, nous accueillons avec grand plaisir et pour la deuxième fois, Alexandre et Georges. Et cette fois-ci, ils seront opposés à Vincent et Julie. Allez, on a tous très hâte d'accueillir sur ce plateau Thierry Beccaro. Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous êtes en forme. Ça y est, c'est parti pour une demi-heure. Nous cherchons des mots de 7, 8, 9 ou 10 lettres. Et en général, on passe un bon moment. Voilà, on partage tout ça avec vous et bien sûr avec les candidats. Par exemple, Alexandre et Georges, qui sont d'excellents candidats. Même si, voilà, le serpolet vous a manqué l'autre jour. Le serpolet dans la super partie, c'est le mot qui vous a échappé. Donc ça permet à la cagnotte de grossir. On y revient dans un petit instant. Georges, qui a vécu toute son enfance au Liban, à Beyrouth, qui vient de s'installer à Paris pour poursuivre ses études. Oui. Et il est accompagné d'Alexandre. Alors Alexandre, il travaille dans plusieurs médiathèques et c'est ça. Comédien. Comédien oui. Avec une... Amateur. Quand même. Oui, mais enfin, quand même, avec une voix assez incroyable. Oui. On a calculé comme ça le nombre d'octaves, la tessiture. Oui. Alors, je me suis fait déceler il y a environ un peu plus d'un an, comme quoi j'étais capable d'atteindre les 4 octaves de la voix humaine. C'est-à-dire, ça nous emmène où ? Donc, ça veut dire que là, comme je parle, c'est l'octave 2. Quand je fais « Oh, je vous parle comme ça », c'est l'octave 1. Et après, je peux monter en 3 et en 4. Avec un peu d'entraînement quand même. Ah oui, parce que là, c'est déjà très aigu. Et oui. Et le chant, ça vous a jamais... Ben, on me l'a souvent dit, effectivement, mais... Bon, vous avez encore le temps d'y réfléchir. En tout cas, merci d'être avec nous, Alexandre. Julie, bonjour. Bonjour. C'est la première fois qu'on joue ensemble ? Oui. Bon, vous venez de quel endroit, Julie ? Je viens de Carry-le-Rouet, près de Marseille. Et vous êtes venue accompagnée ? Et je suis venue avec Mélissa... qui m'a gentiment fait la surprise de m'inscrire aux sélections. C'est elle. Ah oui, viens, elle est tranquille, elle est assise, là, comme ça. Ça va, toi? Est-ce qu'elle a déchiré son jean? Oui. Elle a des gros trous à son jean. Donc, si vous gagnez la cagnotte... Si vous gagnez la cagnotte, il faut l'aider, parce que... C'est passé à tout déchirer son jean. Merci, vous êtes la bienvenue. Merci d'être avec nous, Julie. Vous êtes avec Vincent. Bonjour, Vincent. Bonjour, Thierry. Vous venez de quel endroit, Vincent? Saint-Chamas, dans les Bouches-du-Rhône. Qu'est-ce qui vous relie tous les deux? Les sélections. Les sélections. L'amour de Motus. Et l'amour de Motus, voilà. Et en général, ça fait des jolies rencontres et des belles équipes. On verra ça dans un instant. Voici pour commencer, Vincent, Julie, une grille. Avec son petit numéro magique. Le numéro 8 pour Alexandre. Et... Oui, oh, c'est tellement facile. Hein. Mais qu'on fasse un plan sur Jessica, c'est ça ? Hein ? Avec son jean et tout ça ? Hein ? Bon, oui, alors le 3, d'accord ? Et pour Alexandre et Georges ? Alors, Georges, numéro magique. Le 16. Ah bah non, bah autant aller au bout, voilà. Oui. On met le paquet dans ces cas-là. Le montant de la cagnotte aujourd'hui, c'est 32 évidemment. Hein. Myriam. Eh bien, le montant de la cagnotte est de 5000 euros. Et repartez avec le petit et le grand Larousse illustré ainsi que le dictionnaire Maxi Poche. Soyez prêts pour la rentrée avec Larousse, la référence de la langue française. Vincent. Ce matin, nous jouons avec des mots de... 9 lettres. C'est parti, Vincent, bonne chance. Merci. Voici la lettre L. Labourant, L-A-B-O-U-R-A-N-T. Littéral, L-I-T-T-E-R-A-L-E. Légitime, L-E-G-I-T-I-M-E-S. Libéral, L-I-B-E-R-A-L-E-S. –
Librairie, L-I-B-R-A-I-R-I-E. Et voilà. Bravo Vincent, 50 points. Et vous mélangez, s'il vous plaît. Le 43. Julie. Le 61. C'est à vous de jouer, Julie. Bonne chance. Voici la lettre B. Biberonné. B-I-B-E-R-O-2-N-E. Bouillant. B-O-U-I-2-L-A-N-T. Bougeotte. B-O-U-G-E-O-2-T-E. Banquette, B-A-N-Q-U-E-2-T-E. Bergamote, B-E-R-G-A-M-O-T-E. Écoute, ça serait un joli surnom, je trouve, moi. Braguette, B-R-A-G-U-E-2-T-E. La bergamote. Voilà. Allez, vous mélangez, s'il vous plaît, Vincent. Allez-y. Le 21. Julie. Le 23. Vous avez 100 points pour l'instant, et c'est vous qui jouez, Julie, avec la lettre P. Pistolet, P-I-S-T-O-L-E-T-S. Poulidant, P-O-U-L-I-N-A-N-T. Pastille, P-A-S-T-I-2-L-E-S. Postérité, P-O-S-T-E-R-I-T-E. Bravo. Alors, regardons la grille. Pour l'instant, il faut mélanger encore. Allez-y, Vincent. Le 41. Allez, Julie. Le 35. Voilà, là, ça devient intéressant pour la prochaine fois. Il faut d'abord trouver ce mot, Julie. Et c'est un mot qui commencera par un E. Écolière. E-C-O-L-I-E-R-E-S. Écroulant. E-C-R-O-U-L-A-N-T. Embrouille. E-M-B-R-O-U-I-L-L-E. Qui a dit je l'ai? J'ai entendu je l'ai. Non. Ah, c'est vous? Non, il faut rien dire. Hein. Il faut... D'accord. On n'a pas le droit de parler dans la première partie. Et là, le mec, il a le doigt qui part. Alexandre, la lettre bonus. Écrevisse, E-C-R-E-V-I-2-S-E. Bravo. Bravo. Alexandre, voulez-vous mélanger, s'il vous plaît? Le 20, c'est le. Allez-y, Georges. Le 70. Nous cherchons un mot de 9 lettres, Georges, commençant par la lettre R. Ridicule, R-I-D-I-C-U-L-E-S. Roumaine, R-O-U-M-A-I-N-E-S. Restituer, R-E-S-T-I-T-U-E-R. Ricochet, R-I-C-O-C-H-E-T-S. Mmh.
restituer, R-E-S-T-I-T-U. Non, U-E-E. Ah, y'a, oh là là, non, non. Attendez bien la lettre bonus, Vincent, la voici. C'est le D. Réédition, R-E-D-D-I-T-I-O-N. $150 à $50, le 37 vous attend, Vincent. Le 17. Alors, 25, 57 ou 37 pour marquer 100 points. 69. Et nous continuons, Julie, avec la lettre C. Combinant, C-O-M-B-I-N-A-N-T. Crèmerie, C-R-E-M-E-R-I-E-S. Cendrier, C-E-N-D-R-I-E-R-S. Ah, c'est dommage ça. Ah ouais, c'est dommage. C'est dommage. Alors Alexandre, là, il faut en profiter. Mmh. Voici la lettre bonus, c'est la lettre I. Cinéphile, C-I-N-E-P-H-I-L-E. Bravo. Parfait. Il n'y a plus que 100 points de retard, Alexandre. Vous mélangez, s'il vous plaît. Le A, on l'a eu dans les graves. Oui, je fais les A dans les graves. Ah oui, quand vous râlez, c'est dans les graves. Allez-y, faites voir, c'est pas possible. Car je tousse aussi. Ah oui. Voilà. Donc le côté je râle après la boule noire, ça donnerait quoi, là? Fait ah. C'est assez impressionnant. Ouais. Bon, enfin, toujours est-il que ça vous perdre la main. Et c'est Vincent qui joue à présent avec la lettre M. Mouillant, M-O-U-I-2-L-A-N-T. Manguier. Ça en fait des cadeaux hein, pour Alexandre et Georges. Désolé, Julie. Une lettre bonus pour vous, Alexandre. Marsouine, M-A-R-S-O-U-I-N-E. Ils ne connaissent pas la femme du Marsouin, ils ne connaissent pas. C'est un nom masculin. Voilà. Bonjour, je m'appelle Micheline Marsouin. On m'a refusé un motus. Bon, voilà. J'arpente les océans, tout ça, depuis des années et tout. On m'a dit pas de Marsouin. Un type s'appelle Alexandre, gentiment, m'a rendu hommage. Je suis désolé, mais on n'a pas de Marsouin. Donc, c'est Vincent qui récupère, et il faut en profiter, la lettre bonus. Mercerie, M-E-R-C-E-R-I-E-S. Marmelade, M-A-R-M-E-L-A-D-E. Ménagerie, M-E-N-A-G-E-R-I-E. Mangeoire, M-A-N-G-E-O-I-R-E. Ils sont forts. Enfin, je repensais à la Marsouin dont je parlais tout à l'heure, ou au Marsouin. J'arpente les océans, je ne suis pas certain que ça le fasse. Enfin bon, c'était une expression, c'était comme ça, c'était spontané. Hein, donc n'écrivez pas pour dire Thierry Beccaro dit n'importe quoi. Ne le faites pas, je suis au courant, je me le sers en premier. Vous voyez, donc... Vincent, allez-y, vous mélangez. Oh. Non. La même. Là, maintenant. Oui. Ça va pas aller. Bah oui, mais regardez, c'est le moment que choisit Myriam pour intervenir. Oui, tout à fait, pour vous annoncer que c'est l'heure du dernier mot. Ah. Et le dernier mot, c'est pour Alexandre. Donc, ce mot rapporte 100 points. Et ensuite, vous mélangez. C'est ça la bonne nouvelle, Alexandre. Soudaine, S-O-U-D-A-I-N-E-S. Stimuler, S-T-I-M-U-L-E-E-S. Ouh là là. C'est un petit remontant, Olivier. Je l'ai. Studieuse, S-T-U-D-I-E-U-S-E.
Il nous a cafouillé le mot stimulé. Là, on a senti qu'il y avait un petite vitamine C. Oui. on peut applaudir Olivier parce qu'il fait un taf incroyable. Voilà. C'est-à-dire qu'il est là, pendant des journées entières. Même quand on tourne pas, même quand on est pas en ligne, il est là comme ça. Il est chez lui, il valide, il s'entraîne, il valide et tout, avec sa femme derrière. C'est énorme. On l'a surnommé Azer Tuyop. C'est vous dire. Ouais. Bon, bravo Olivier, félicitations. Bon, on en est où? Vous avez trouvé le mot? Il faut qu'on mélange pour trouver le 60 et le 66. Eh ben, c'est parfait. Tenez, vous voulez prendre ma place aussi? Allez-y. Et le 6. Ouais, ça va être difficile, hein. C'est pas la peine d'insister, je pense, hein. Ben non, vous pourrez pas marquer 100 points de plus. Donc on va vous applaudir très fort, Alexandre, Georges. Et la super partie, ben, ce sera pour Julie et Vincent, qu'on va applaudir également. Bravo. Voici pour vous, messieurs, quelques cadeaux. Nutribullet vous offre cet extracteur de nutriments pour ne garder que le meilleur des aliments. Retrouvez toutes les recettes sur nutribullet.fr. Et mesbagages.com, site de vente en ligne de bagages, vous offre aussi cette élégante valise et son vanity case assorti. Bon voyage avec mes bagages. Ça va, Georges? Ça va. Bon, c'est ouais. Oui, c'est une belle expérience. C'est pas comme à la maison, quoi. Oui, exactement. Pas comme à Beyrouth, quand vous regardiez tranquillement dans votre salon, etc. Mais ça vous a permis de vous entraîner. Ah, oui. Et on est ravis d'avoir joué avec vous. Voilà, parce que Georges vient de Beyrouth. Voilà, il est arrivé à Paris récemment. Donc on embrasse toutes celles et tous ceux qui nous regardent au Liban. Oui, Alexandre, c'était super de jouer avec vous, vraiment. Merci. Vraiment, c'était sympa et je vous souhaite vraiment le meilleur. Et je peux passer un petit coucou spécial. Allez. Un gros, gros, gros bisou à ma grand-mère Simone qui a 89 ans et qui regarde l'émission depuis son début. Eh bien, on l'embrasse très, très fort également. Merci beaucoup. Et ce qui est génial, c'est que Motus, il y a les mamies, les papis et puis il y a Alexandre et Georges aussi. Oui. Donc tout le monde veut jouer à Motus. Voilà. Oui. Toutes les générations se sont retrouvées un jour et se retrouvons ici sur le plateau de Motus. Merci beaucoup. Merci. Et bravo. Place à la super partie, 5000 euros à gagner dans un instant. Pour participer à Motus, contactez-nous au 01 56 22 2000 ou sur motus@france-tv.fr. Pour nos prochaines sélections, vous pouvez nous retrouver le 20 septembre à Compiègne, le 25 à Paris, mais aussi le jeudi 12 octobre à La Rochelle, le 13 à Angers et le 14 à Nantes. Alors n'hésitez pas et composez à tout moment de la journée le 01 56 22 2000 ou rendez-vous sur www.france.tv, rubrique Motus. Vraiment. Julie et Vincent, voilà, se sont rencontrés pendant les sélections. Vous voyez, je vous l'ai dit que ça fait des belles équipes. Il y a 5000 euros à gagner. Donc, il n'y a pas à avoir peur, Julie. Il faut surtout jouer, ouvrir le jeu, trouver 10 mots de 9 lettres. Et de toute façon, vous savez que vous revenez. Voilà, bonne chance. Merci. Salaison, S-A-L-A-I-S-O-N. S. Salaison, S-A-L-A-I-S-O-N-S. Silicate, S-I-L-I-C-A-T-E-S. Sérénité, S-E-R-E-N-I-T-E-S. Sélection, S-E-L-E-C-T-I-O-N. Bouillant, B-O-U-I-2-L-A-N-T. Biberonné, B-I-B-E-R-O-2-N-E. Baroudeur, B-A-R-O-U-D-E-U-R. Hôtelière, H-O-T-E-L-I-E-R-E. H-O-U-2-S-A-I-E-S. Hostilité,
H-O-S-T-I-L-I-T-E. Mouillant, M-O-U-I-2-L-A-N-T. Marmelade, M-A-R-M-E-L-A-D-E. Marinière, M-A-R-I-N-I-E-R-E. Marinière, M-A-R-I-N-I-E-R-E. Martégale, M-A-R-T-E-G-A-L-E. Maraîcher, M-A-R-A-I-C-H-E-R. Fouillant, F-O-U-I-2-L-A-N-T. Formalité, F-O-R-M-A-L-I-T-E. Forgeron, F-O-R-G-E-R-O-N-S. Forestier, F-O-R-E-S-T-I-E-R. Coagulant, C-O-A-G-U-L-A-N-T. Chafouine, C-H-A-F-O-U-I-N-E. Libellé, L-I-B-E-2-L-2-E-S. Libellant, L-I-B-E-2-L-A-N-T. Liberté, L-I-B-E-R-T-E-S. En plus trop court. Libellule, L-I-B-E-2-L-U-L-E. C'est mon charme plus. Écroulant, E-C-R-O-U-L-A-N-T. Épicerie, E-P-I-C-E-R-I-E-S. Expression, E-X-P-R-E-2-S-I-O-N. Expressif, E-X-P-R-E-2-S-I-F. Extrémité, E-X-T-R-E-M-I-T-E. Entremise, E-N-T-R-E-M-I-S-E. Touillant, T-O-U-I-2-L-A-N-T. Ténébreux, T-E-N-E-B-R-E-U-X. Truc. Alors, le mot que nous cherchions, c'était le mot trucmuche. Ouais, de temps en temps, comme ça, on propose des mots. J'aimerais quand même, d'abord, on va vous applaudir très fort, Julie, Vincent. Qu'on revienne à ce mot, vous avez eu du mal à trouver, et pourtant, le mot libellule. Vous nous avez dit quelque chose qu'on n'a pas réussi à capter. C'est le nom de mon chat. Et voilà. Je peux dire qu'il regarde l'émission, ça on le sait. attendez-vous à quelques surprises quand vous allez rentrer. Vous allez revenir, Julie, Vincent, et il y aura 6000 euros dans la cagnotte. C'est pour ça qu'il ne faut pas rater la prochaine émission, bien sûr. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine fois. Merci.